nous sommes à la conférence des jeunes, la COI, qui est un événement international qui se passe à chaque fois en amont des COP, donc des sommets des négociateurs, et ça rassemble la jeunesse du monde entier pour réfléchir sur les enjeux du changement climatique et de trouver des solutions. Pendant les 3 jours, les jeunes se retrouvent dans des ateliers pour réfléchir aux thématiques et faire des propositions aux négociateurs. Donc à la fin de la conférence, nous remettrons nos recommandations à Laurent Fabius, président de la COP21. Vous avez répondu massivement à cet appel. Plus de 10 000 jeunes ont participé à cette grande consultation sur le développement durable. La campagne J'ai à cœur ma planète est donc née le 20 mars dernier, journée internationale de la francophonie, à l'hôtel de ville de Paris. CiciLeco, c'est un système d'information destiné aux compagnies d'éboueurs pour collecter dans une ville uniquement les poubelles qui sont remplies. C'est une application mobile qui permet de voir tous les bacs à ordures et poubelles qu'il y a autour de soi. Alors, c'est une poubelle avec plusieurs compartiments pour chaque type de déchet. Tu peux recycler tous les déchets métalliques et tous les déchets plastiques. Lorsque je me suis lancé dans la création de ce projet, je me dis, ben, s'il y avait de l'énergie pour tout le monde devait avoir la lumière, apprendre bien ses leçons et réussir. Merci beaucoup. Nous avons tenu à participer à ce concours. Pourquoi ? Parce que dans un premier temps, il fallait qu'on apporte des solutions. Nous avons fait un constat, il y avait certains manquements que nous, à notre niveau, nous avons la possibilité d'apporter des solutions. Ça récompense d'abord un travail que nous avons abattu sur une préoccupation qui était très spécifique, la gestion des déchets solides. Ça représente aussi un appel finalement à nous engager. Je pense que c'est le rôle de la jeunesse et juste la jeunesse de s'engager. Parce que si elle ne s'engage pas, qui va le faire? On ne peut pas travailler seul. Donc il faut qu'on soit unis et c'est ce que nous donne la francophonie, cette union. Moi, je vous remercie énormément pour la remise de cet appel et pour tout ce que l'OIF a produit aujourd'hui comme contenu et continuera de produire sur le stand. Donc, ce sera un outil de travail qui va être utilisé là aujourd'hui et demain. On va les intégrer au sein du manifeste que l'on produit. Vraiment, merci pour cet apport que vous faites à la conférence des jeunes. Merci beaucoup.